Aïe Bobo pour Haïtiens, Haïtiennes dans 10 départements géographiques du pays d'Haïti. Aïe Bobo pour jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays d'Haïti qui étaient campés sous deux pieds militaires, sortis vendredi pour arriver jusqu'à jeudi, mercredi 21 novembre 2018 là. Ça qui baille 6 journées de mobilisation sans prendre souffle. Oui, peuple là, il a courage, peuple là, déterminé pour aller jusqu'au bout dans la bataille là. Je dis, il y a bilan répression hein, lourd. Sorti 17 octobre pour arriver jeudi 21 novembre 2018 là, les nous considérer 7 personnes qui étaient assassinées 17 octobre, 60 personnes qui ont assassiné la Saline, 11 personnes qui ont assassiné 18 novembre, 3 personnes qui ont assassiné 19 novembre, et sans compter ça qui a assassiné jodi a, nous arrivons à un bilan qui bat nous pratiquement 100 personnes qui assassiné seulement pendant un mois de combat, un mois de mobilisation. 200 blessés et 300 personnes qui joignent l'arrestation. Évidemment, il y a 150 là-dedans dans la période ça qui déjà joignent libération. Je dis à dans situation difficile ça, côté pouvoir politique là, pouvoir Jovenel Moïse là, décider d'utiliser répression, décider de faire son peuple à couler tout partout dans le pays là, pour être capable de toujours être en place, pour continuer à défendre intérêt anti-minorité pendant qu'ils laguent des bras balancés masse peuple là. Je dis à ce secteur démocratique là, voulait fixer position une autre fois encore. Coup de fusil tiré, gen moun ki blessé, gen moun ki mouri, pas gen arrangement qui possible encore. Secteur démocratique là pas nan négociation avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse fait moun rele nous, il fait blanc rele nous, il fait haïtien rele nous, position nous claire. Nous ne pouvons pas négocier avec Jovenel Moïse. Et son question de morale politique, nous ne pouvons pas traverser cadavre. Frère nous, c'est nous, nous assassinés pour nous négocier job. Nous n'avons pas besoin de job premier ministre. Nous n'avons pas besoin de job ministre dans Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas négocier avec Jovenel Moïse. Solution à la crise politique là, il doit passer d'abord par la démission de Jovenel Moïse. Et c'est position nous clair sous lit et démission Jovenel Moïse, que ça pourra le permettre que nous engager pays à dans une transition politique disciplinée, une transition politique maîtrisée pour nous réaliser, pour nous faire procès Petro-Caribéa, côté tout le monde qui volait l'agence à la Honde Badé, pour nous arrêter, pour nous juger, et c'est ça la revendication peuple là. Et deuxièmement, pour nous mener pays à une conférence nationale haïtienne souveraine, pour nous poser problème pays à, pour nous poser problème femme, pour nous discuter problème jeune, problème paysan, problème masse populaire, problème diaspora, pour nous capable de construire un autre pays pour tout haïtien, pour toute haïtienne. Nous ne pas chercher de job, ces pays nous besoin de changer. Et ça fait le clair pour tout le monde. Cependant, le secteur démocratique l'a constaté, malgré qu'il y a plus passé 2 millions de personnes qui prennent la rue 17 octobre, malgré qu'il y a plus passé 2 millions qui prennent la rue 18 novembre, jusqu'à présent, le secteur privé, le secteur business, les gens qui ont cop dans le pays d'Haïti, ils ont dit que Jovenel restait dans le palais national, pas aller. Le secteur privé a décidé de continuer à supporter Jovenel Moïse. Et c'est ça que fait. Vendredi Capvina, vendredi Capvina, qui pourra le 23 novembre, nous pourra le monter Pétionville, nous pourra le parler avec le secteur privé. Nous pourra le privé Pétionville depuis 11h du matin, midi dans Pétionville, 1h dans Pétionville,
2 heures à Pétionville, 3 heures à Pétionville, 4 heures à Pétionville, nous pral manifester dans toute rue Pétionville. Nous pral manifester à droite à gauche pour nous dire moun ki gen l'argent dans pays a, li temps pour yo laguer Jovenel Moïse. Voilà maître André Michel dans conférence pour la presse qui c'est une porte-parole et secteur démocratique et populaire, député La Valasse prétend Belizère, mandé toute force dans la nation levé campé pour mandé qui côté l'agent Petro-Caribé a passé parlementaire dénoncé façon directeur général police Michel-Ange Gédéon perdu contrôle sur une partie dans la police IGPN et puis il dit une autre partie dans la police gon parti qui a prendre dictée directement dans pouvoir mais une autre partie toi fait des as n'a coûté. Et Printemps Belizère, député 3e circonscription Port-au-Prince, toujours dans conférence pour la presse, secteur démocratique et populaire, après-midi, côté Vladimir Maurice qui doit être présent pour Radio Kiskeya. Secteur informel, là. Et l'ensemble des gens dans le secteur privé, hein, qui réalisait Jovenel Moïse représente une menace, je dis, hein, pour l'ensemble des intérêts qui ont gagné dans le pays. Parents, élèves l'école, yo. Étudiants yo qui depuis 18 novembre kembe la rien en mode d'avion pour di Jovenel Moïse à l'école en dans Valéa et jodi on fait 4 journées mortes côté que population haïtienne l'a manifesté l'a augmenté barricade li pour di non à Jovenel Moïse. Nous-mêmes, au niveau du Parlement, spécialement nous-mêmes députés de l'opposition, ensemble avec sénateurs qui toujours été bonne revendication peuple haïtien, qui pas jamais tenté vendre conscience nous ou bien almarer mandat peuple latéba nous dans pied table palais national contre intérêt population haïtienne. On l'autre fois encore n'a dit yo. Bataille qui nous menait pour nous jouer une libération paysan, c'est une bataille qui concernait tout le peuple haïtien. Parce que 3 milliards 800 millions de dollars américains, moun Grand Ravine, moun Tibois, moun Fontamara, moun Matissan, moun Fort Saint-Clair, moun Village de Dieu, moun La Saline, moun Delma de La Trier, c'est tout cap payer même gens avec moun ki gen l'argent dans pays classe moyenne nan tout a payer l'argent ça. Ça veut dire bataille pour arriver récupérer 3 milliards 800 millions de dollars américains son bataille qui concernait tout secteur dans vie nationale là. Et c'est ça qui fait que vendredi population haïtienne nan pral prend la rue. Pendant machine de bois passé tant ki de moyo malgré yo bois que sous levé melanlè bon EDH là yo tirel et yo zipel yo aller avec. Ça veut dire qu'on bon monde qui disparaît dans le pays dans dernier jour ça yo, ce sont des monde assassiné, yo sauvé à cadavre. Donc c'est ça qui fait que nous même nous dit pour me finir. Comme Jovenel, comme directeur général de la police là fait qu'on est. L'ensemble des snipers ça qui en dans police là, qui tirer sur population là, c'est pas sous commandement et pas sous commandement que yo, il pas reconnaître yo. Donc nous même nous dit manifestation ça qui pas le fait là. Et là nous dit n'a pas monté pétition ville son manifestation qui a couvert 10 départements. Demain matin, c'est même mot d'ordre là. Augmentez barricade. Si Jovenel Moïse gen moun ka tire ti moun 3 ans dans le pays, pendant que toute famille Jovenel Moïse est envoyée à l'étranger, eh bien, ti moun qui dans quartier populaire, nous ne pouvons pas capables risquer de vivre dans la rue pour nous voir à l'école. Donc, nous disons pas un yo. Qui est moun yo la kayo pour Jovenel Moïse va l'assassiner yo. N'a dit secteur privé a continue kimberi de yo descend parce que Jovenel Moïse ge sniper dans la ria kap tire moun. N'a dit secteur informel la timachon yo continue retita la kayo jusqu'à ce que Jovenel Moïse quitte palais national parce que nous pas reconnaître Jovenel Moïse comme président encore et à partir de 18 novembre qui sont passés à là, nous considérons Jovenel Moïse comme un nègre qui est en rébellion à peuple haïtien. Et c'est ça qui fait que nous dit, puisqu'il est en rébellion à peuple haïtien,
et bien peuple haïtien a balle une réponse tout à fait proportionnelle, pacifiquement et démocratiquement. C'est député Printemps Bélizaire, toujours dans la conférence pour la presse. Schiller Louis d'Or, docteur, dirigeant famille Lavalas, fait connaître manifestation qui pourrait le faire là, la montée Vétionville, parce que jusqu'à présent, il y a une partie dans le secteur business privé qui continue à soutenir Jovenel Moïse, demander le Kembe pouvoir. Dirigeant politique là, et manifester solidarité d'après ça, le dit, avec journaliste Télé Zénith qui a subi agression, je ne veux dire, en bas, même partisan pouvoir. Et docteur Louis d'Or, et mandé businessman qui a vendu une marque bien précis, une marque machine, suspendre vendre machine ça parce qu'il est impliqué dans diverses attaques qui a fait sous population. N'attendez docteur Schiller Louis d'Or, toujours dans conférence pour la presse, côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Il s'agit de Georges Fortuné, un nègre intègre, un nègre qui a un service impeccable à la société. Et force fait noir PHTKO frappé monsieur Jodia dans Delma 33. Bagay ça fait nous mal en pile et nous dit Radio Zénith, nous dit tout journaliste qui là, en particulier Georges Fortuné, nous avèl. Et nous comptons le tout parmi toutes victimes qui gagnent dans affaire Petro-Caribéa. Mais nous dit journaliste pas découragé, force fait noir PHTK ça, c'est tout pour nous venir pour touyer. Jovenel Moïse, c'est pas seul monde la saline là assassiné. Ce n'est pas seul monde dans le pays à mon cap, monde la savane l'a assassiné. Il y a un ancien militaire tout qui tirait sous policier et a assassiné journaliste. Li clair, li précis. Cette fois-ci, pas de jouet dans ça. Je rappelle tout le monde, Jovenel Moïse, ensemble avec secteur privé bon ici, yo gon bagay yo di. Yo di peuple là, c'est tigran goût. Il a quitté le fin goût, mais pendant 6-7 jours, quand le grand goût l'a prêté, Jovenel ou perdu. Secteur privé ou perdu. Et pour nous montrer que ce qu'on dit, c'est pas ça, vendredi, si Dieu veut, si grand goût, il va le monter, Pétionville. Mon grand goût, il va le Pétionville. Et pas grand goût, dit nous grand goût, nous prenons Pétionville. Secteur privé, ou dit, quittez-nous faire grève, quittez-nous des barricades là, les grands goutouillés nous n'a levé, n'a levé vendredi. Yes. Barricade yo doit renforcer à soir ni demain. N'a dit, l'ennemi tout le monde. Depuis qu'on est venu retirer barricade, son équipe a voulu vivre. Son équipe raillou. Son équipe voulait tuer. Son équipe voulait qu'il y ait une misère. Barricade, c'est nous nous chérir. Barricade, c'est nous ménage. Barricade, il faut protéger. Parce que c'est barricade qui a voulu demain meilleur. C'est barricade qui a voulu Jovenel Moïse aller. Et c'est barricade qui a voulu l'autre pays pour qu'il vive. N'importe qui, moun, magistrat, Wilson, je dis. Nous tendons à goumer pour retirer barricade Vezo. Barricade peuple, moun pas manger ça. Barricade peuple, moun pas manger ça. Et mon God là, il clair. Assoyez, tout le monde, intensifiez barricade. Demain matin, tout le monde, intensifiez barricade. N'a pas dit tout le monde qui est malade pour question l'école. N'a pas dit, oh, piton perdu 2-3 jours l'école. Mais au moins, n'a pas bon l'école. Jou l'école la fête. Parce qu'avec Jovenel Moïse qui sont illettrés, ils sont incapables, ils sont imbéciles, ils sont ignorants, ils sont arrogants, pas de l'école qui a fait. Vendredi, tout le monde, dans tout le pays, n'a pas monté Pétionville. Et n'a pas dit tout le monde, nous parlons du secteur privé, nous nous avons fait grand goût, nous nous pensons que grand goût pour tout le monde, nous piffons pas ça et nous venons poser des questions. Et nous venons dire que. Tout l'argent payé à ces noms liés, suspendre la police, Nissan, pour la police tirer sur le monde, parce que trois cas machines qui ont couru là, qui ont tiré sur le monde, c'est Nissan Yoré. Ça veut dire que
N'a dit moun kap van yo a suspend van machine pour tout peuple là, peuple allemand de travail, il m'a de manger, peuple allemand de caille pour le rete, et nous dit il m'a de santé, il m'a de éducation, et peuple pral dout tout ça yo vendredi en face. N'a dit Simo, nous tendez secteur privé à peuple yon bon nek Simo vendredi pour camper devant business li pour tirer sous peuple là. N'a dit Simo, pas oublier nous prend plusieurs calottes déjà et nous pas prend encore. Et n'importe qui n'est qui bon au calotte n'a pas remis pli. Et n'a fini pour nous dire, mon dot game de bail là, n'a marché à tout ça nous gagne en valise nous. Bosse dans nous, patte nous, cuillère nous, chaudière nous, drap nous, et surtout drap nous pour nous couvrir Pétionville, parce que Pétionville nous. Voilà, c'est Dr. Schiller Ludor. Et puis, il y a Ronnie Timothée, qui est un dirigeant Vive Haïti, qui m'a dit pour tout le monde de participer à la manifestation vendredi. Et il m'a dit directeur général police, Michel Angédéon, pour arrêter tout le monde qui a habillé avec uniforme la police, qui a tiré sur le monde qui a manifesté. Naptan de dirigeants Vive Haïti, Ronnie Timothée, toujours dans la même conférence pour la presse, côté Vladimir Maurice qui doit être présent pour Radio Kiskeya. Nous avons quantité de monde qui mourit belé, quantité de monde qui mourit la saline, quantité de monde qui sont mourit là sous route aéroport, et quantité de monde qui mourit la fossette, ça a montré définitivement pouvoir camper pour assassiner tout le monde qui campait en face. Nous-mêmes, nous avons un monde qui gagne moins que 3 ans qui prend balle dans la tête, qui sortit dans les oreilles. Je dis à la demande à qui conscience, nèg sa yo di yo c'est père de famille, je dis à vous arriver dans niveau pour y assassiner ti moun. Mais l'autre bagaille qui fait nous mal au niveau secteur démocratique là, nous apprenons tout. Des petits groupes parti politique qui a profité momentum pour y aller négocier. Et nous venons là pour nous dire matin, n'importe nèg cal nan palais national, cal font ti bagaille à part avec Jovenel Moïse, nous même là font bagaille à part. N'importe quel petit bagaille à part, non mais pouvoir, n'a pas petit bagaille à part. Qui donc vendredi, Kabine là. Nous pas seulement monter Pétionville pour aller manifester Pétionville. Nous avons rendez-vous, nous avons un message pour Saint-Pierre. Et nous parlons de Saint-Pierre, message là. Il faut que Jovenel d'accord. Petit groupe blanc qui a supporté lui. Petit groupe mafia économique qui a supporté lui. Petit groupe monde qui a fait dans le palais national qui a dit tuer Mounio. Je vous garantis, barricade peuple, personne ne peut pas dépasser. Et ça fait nous dire, des 6 jours nous réussissons déjà. Et il y a l'autre jour qui est extrêmement important pour nous. Et ça fait, même l'autant de nègres qui ont levé barricade tout partout, nous-mêmes nous avons demandé au peuple à continuer à prendre responsabilité, gérer zone nous, gérer l'aile nous, gérer bloc nous. Et il faut mettre obstacle avec machine l'amour ça qui a passé. Tuer moun nan kati populaire. Et nous profitons de l'espace ça pour nous dire tout le monde, nous, la police a arrêté nèg exam, palais national débarqué, al prenons dans le commissariat. Nous disons, police nationale là. On est sous pas gain prison pour mettre yo pote yo ba nous n'a mettre yo belé pote yo ba nous n'a mettre yo cité soleil pote yo ba nous n'a serré yo grand ravine là nous connaît pas le national pas ka vinn chercher yo jodi a tout monde constater pouvoir à chercher mercenaires étrangers à chercher blanc pour vinn assassiner petite Haïti. Ça veut dire qui ça jodi an pour pouvoir nèg prêt pour assassiner nous tout et nous même pour nous faire pour nous éradiquer nèg ça yo nous prêt pour nous camper en face tout nèg. Et ça fait nous dire, je dis à nous vivons une situation historique. Et nous devons prendre une responsabilité historique. Si nous cherchons à voir, nous mettons des âmes dans les mains, nous même nous devons défendre tête. Nous parlons tout le temps pour nous dire que nous manifestons pacifique. Parce que nous prenons balle, nous avons mouru aujourd'hui. Nous parlons pour nous perdre 10 personnes, mettre chemise dans le pantalon. Parce que je dis à des personnes qui ont mouru. Et nous pas qu'à compter cadavres dans le temps. Nous entendons la police nationale là, nous entendons la voix du directeur général là qui dit. Li pa reconnaître uniforme sa yo, li pa reconnaître machine sa yo, li pa reconnaître sniper sa yo. Et bien, comment pa reconnaître yo? Comment pa reconnaître M50, M60 sa yo?
go grain bagay pou fè, c'est pas di pou di nou pa reconnaît yo. C'est responsabilité pour prendre pour toi que quoi nous avec yo. Pa c'est seul ou même qui force légal. Si c'est ou même qui force légal, peuple a pas gen droit mourir sous yeux. Si c'est ou même qui force légal, ti moun 3 ans pa gen droit prendre balle, la police pou ka répliquer. Et nous garder dans plateau central. Nous avec nèg uniforme qui campe en quoi qui a tiré sur population. Et nous avec même braque zam sous police nationale là. Ça veut dire si c'est peuple là qui pour trancher, que police nationale la fait back. Bon Michael Gédéo, sous senti la police pas qu'à toquer connait avec bandi yo, retirer quoi. Quitter peuple là qui a gérer ça. Pas peuple là qui a un bout de bâton, li gen bois de pa quatre li, li gen bout de fel, li gen roche li, li gen toute bagaille li capable trancher.